Et bienvenue, nous sommes repartis pour des aventures. On a un cyclope à tuer. Préparez les rames! Le capitaine prend la barre! On a un cyclope à tuer. On doit détruire des bateaux marchands. Est-ce que c'est marchand droit devant? Préparez vos flèches! Il est presque. Il est presque défoncé en plus. Vous le sentez, ce vent ? Marchez ! Préparez-vous ! Voilà. Commencez à ramer ! Je crois que c'est marchand, ça. Ah bah c'est très bien, c'est ce qu'on cherche. Ok, nickel. Ce qu'on va faire, c'est que donc on va aller sur notre île spéciale où on peut augmenter notre lance et après on va tuer un cyclope. Ça fait mal. Nickel. Ça fait tellement stylé aussi quand on sort une épée en feu directement. Attends, par contre, vous me faites chier. Attends, j'ai une surprise pour vous. Ah, ça va, ils vont dessus. J'allais faire ma flèche explosive. Merde, je les confonds du coup, mes hommes et les leurs. Ah ouais, c'est vrai que ça c'est un problème par contre, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Ah ouais, donc il y en a qui vont quand même dessus. Oui, c'est vrai, de mettre des Athéniens sur mon bateau quand on combat des Athéniens, c'est un peu con. On a toujours les pirates de léger, j'aime bien, moi. Après, il y a les Medjay. On peut remettre les Medjay. Les affranchis. Exploration nouvelle, mouvement le rappelant, jamais plus noir. Je sais pas, j'aime pas trop, en fait, ce qu'on a... Il ouais, y avait eux qui étaient bien, qui étaient potables. On approche encore, ils vont croire qu'on veut les attaquer. Qui ça? Georgia, la terreur hurlante, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on est bien là.
Il nous rattrape un peu. Ils sont un peu teubés. Ok, nickel. Je sais, j'ai vu. Voilà. Nous sommes bien battus, mais d'autres combats nous attendent. Ok, c'est parti. On a un mercenaire. Non, je peux pas utiliser le... Non, mais je peux pas les recruter, hein, ceux-là, par contre. Défoncer quoi. Ouais. Pas mal. Pas mal, pas mal. Oh merde. Allez, monte. Elle veut pas monter. C'est bon, je suis là. On est là. Quel bordel. Ça. Résistance élément, critique, santé faible, on s'en fout. Ok. Parfait. Il y a beaucoup à faire. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont chiants d'être à côte à côte là, de tout le temps on leur parle à chaque fois. C'est bon, on y arrive bientôt. Hein. Ouais, non mais là il y en a 3, ça va prendre 3000 ans. C'est où qu'il y a un port ici? Je me rappelle plus du tout. Quel côté? Ah, on va regarder la carte vite fait. Il n'y a pas de port. Non, si! Désolé. Si, y'a un quai. Là, ça a l'air d'être précieux. Va plier la voile. On va s'arrêter ici. Très bien. Donc on va augmenter notre lance et après on fait le gros méchant. Qu'est-ce que j'ai du mal avec toi. Si je fais ligne droite, il met 3 ans à venir. Si je viens vers lui, il m'esquive. Ah c'est bien. T'es sans déconner quoi. Ah putain. Je
peux rentrer directement. Yes. Putain de merde, ces trucs. Les animaux. Parfait. Tu peux courir. Ah, c'est quoi ça? Ça allumait? Enfin non, non, c'était comme ça avant. Ah, c'est parti, la lumineuse. Elles y sont aussi dans l'autre, sur l'autre île. Elles sont au fond. C'est au fond de l'eau. C'est détruit, en fait. Ah, c'est pareil. J'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus belle. Mais d'accord. J'aurais dû bien la regarder avant. Elle était pas comme ça, la lance. Hein. Là, la pommeau et tout, bien, bien fait. Elle était pas comme ça. Hein. Alors, aptitude. Alors maintenant on est à 8% de santé gagné par unité de rien dépensée. Ah mais c'est pour ça qu'on gagne de la vie quand je fais mes attaques là, c'est pour ça. Segment de rien max 7 heures 1.2 au corps à corps secondaire. Et le prochain niveau c'est ce qui nous intéresse, donc 9% de santé gagné par unité de rien dépensée, 7 adrénaline, bon, aptitude 3. Donc ouais, ça qu'il nous faut. Après cet épisode, faut que je regarde pour des modes. Oh putain, l'autre qui nous attend toujours. Pour qu'elle court en fait aux endroits où elle où il bloque sa vitesse. Non mais la lance elle est super jolie là maintenant. Elle est super jolie. Alors, par contre, combien il nous faut de triangles la prochaine fois? 9. Okay, on en a déjà 2, ça va. Je vais être honnête, quand on sera au niveau 3, de toute façon, là, on a beaucoup d'habilités, donc ça fait... Genre 1, 2, 3. Avec l'arc, ça fait 4, 5. Et puis après, on a la deuxième roue, 5, 6, 7. Ça fait 7 habilités. Donc il nous faudrait 7 points. 7 points d'aptitude pour tous les monter au niveau 3. Et après, il y a les passifs, sans compter les passifs. Donc du coup, on va faire des choix. Je vais être honnête, je pense que je vais plus augmenter les habilités de mêlée que d'archerie. Je crois que ça sera mieux. Ça, on est quand même beaucoup plus efficace et on tue beaucoup plus vite. Hein. Maintenant, quand on fait du combat...
Donc ouais, on va faire des choix. C'est parti. Tu te rappelles de moi, mon gros ? Wow. Est-ce que tu vas sortir ou merde? Ouais, je vais sortir. Ah oui, les dégâts c'est beaucoup mieux. D'accord. Bon, je suis toujours aussi con, mais... Ah putain, c'est vrai que j'avais légèrement oublié le fait que... Mal. Il n'y a pas deux enchaînements, il fait jamais deux enchaînements. Pas mal. Cher en flèche. Ah.
Putain, mais je louperais un éléphant en fait. Ouf, allez, 50%. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième phase. Ouais, il réagit plus pareil là. Ouais, deux coups, ok, ça marche. Ok, maintenant il a des enchaînements. On va se mettre full vie parce que... Dans la tête. Je sais même pas si ça sert à quelque chose. Peut-être qu'on lui fait plus mal dans la tête, mais... Faudrait afficher les dégâts pour être complètement sûr. Et je n'ai pas envie.
critique, ça. On l'a eu. Alors, fais voir un peu l'arc. Alors, c'est 45 ou 44, 45. Plus 20% santé et armure. Attends, mais c'est magnifique là ce qu'on a. C'est une gravure énorme. Après, l'arc, il est nul. Hein. Alors que, honnêtement, il est nul. Genre, celui-là, il est mieux parce que c'est dégâts de feu de base. Après, bon, on peut mettre 15% dégâts de feu et accumulation. On peut mettre ça pour rattraper. Mais, attends, tu vas me dire qu'on a débloqué cette gravure, maintenant? Putain, on l'a. Mais c'est une gravure de ouf, ça. B de personne. Forge ancien. B de personne. C'est une gravure de fou, ça. Bon, on peut le mettre qu'une fois, hein, mais... à 20% de vie et d'armure, oui, 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 non, on va le mettre tout le temps, quoi. J'ai envie de dire qu'on va, vu qu'on change pas vraiment d'arme, on va peut-être le mettre sur la masse. La massue, à moins qu'on trouve une autre arme, mais ça m'étonnerait. Là, je sais pas, non, on va voir, on va voir, on va voir. On peut le mettre sur une partie de notre équipement, hein, ça va pas... Ah, le feu, hein, je pense que ouais, les dégâts de feu nous a bien aidé. Ouais, peut-être qu'à des moments où je mette quand même les dégâts que je vois, les dégâts de feu. Alors, putain, il y a plein de trucs là. C'est vrai qu'on a... J'ai directement enlevé ça. Parce que honnêtement, faut être honnête, ça sert à rien de voir les dégâts. Ça sert strictement à rien. On le voit direct si on peut tuer ou pas en fait. Je vois rien en plus. 2400 de feu, 6400. Ouais, même les dots peuvent... peuvent critiquer, je crois. Ah tiens, ils combattaient... En fait, ils ont combattu un ours, d'accord. Il est la main... Ah, il est où mon bateau? Non, mais ça me sert à rien, je m'en fous, honnêtement, de voir les dégâts. Bon, c'est juste que... Non, c'est juste que... Le feu, c'est mieux. Le feu c'est mieux, basta, point barre. Ah bah oui, non mais je me rappelle, là on est par exemple, à, le plus petit nombre qu'on a vu c'était 2700 de feu. Et le poison c'était quoi, 600 et quelques. Donc oui, il y a une différence quand même. Quand on avait regardé les dégâts. Donc oui, il y a une petite différence. Ben, notre lance, elle est super jolie maintenant.
On a une gravure de fou. Alors maintenant, on a plusieurs choix. On a plusieurs choix. Là, on a plein de quêtes. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, on a des quêtes. Je sais vraiment pas pourquoi. Après, oui, il y avait un truc que je voulais faire, c'était l'arène. Entrer à l'arène sur la côte nord de Pefka. Pefka, c'est quoi ça, Pefka? Pefka, c'est tout en bas. Ça fait loin, hein. Après, ah putain, je voudrais bien faire le mec du cosmos ici, là. Ouais, mais de toute façon, enfin, les deux sont loin, honnêtement. Allez, partons à l'aventure. Pefka, on va faire de la... De l'arène. Allez, à pleine allure. Ces débris pourraient être utiles. J'avoue que ça va peut-être prendre un petit moment avant d'y arriver là-bas. Est-ce que c'est bien vraiment de faire ça maintenant? Là... Ah, on a quoi pour 10 minutes, 20 minutes de bateau? Ah la vache. Évidemment, Spartiate qui est dans notre passage. Pas non, je déconne. Non, non, on est déjà à 8500 mètres. Non, ça va. T'es sérieux? Tu tournes pour nous savoir ou quoi? Fais attention à toi. Non, ça va, c'est pas aussi loin que ça. Ça va pas nous prendre des 20 minutes. En tout cas, le mouvement du bateau et tout, la mer et tout, franchement, est vraiment top. Vraiment bien fait. Il y a un jeu où j'aimais bien aussi. Qu'est-ce que ça? Il n'est pas encore sorti, là, en alpha, en bêta, je sais plus. C'était Valheim. J'avais pris un serveur privé et tout ça. On jouait à 4-5 dessus. Sur le Discord. J'aime bien Valheim en fait. C'est vachement bien ce jeu, je trouve. Il y a un mélange d'exploration, de construction et de combat en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant. Avec différents biomes évidemment. Et des boss. Donc ouais, ce jeu-là est vachement bien fait. J'aime beaucoup les jeux comme ça où il y a un grand mélange de ça quoi. Ah putain, Appel, tu fais chier. Non, non. Je vois pas pourquoi lui il nous aime pas alors que les autres ils bougent. Ils font rien. Très bien. Par contre, toi, t'es sur notre chemin. On a repéré des débris à la surface. Est-ce qu'on peut le one shot si on lui fonce dessus?
gain à récupérer sur ce navire. Toi. Ouh, c'est quoi ça avec un drapeau en or là, enfin une voile dorée. Ils vont nous tirer dessus si on continue d'approcher. Ah ouais? Sorcière des mers, merde, je tombe mal. Nous allons aussi vite qu'il est possible. Les archers, comment? Maintenant! Ne gaspillez pas vos blés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se mettre sur la gueule ou pas? Caméra. Allez, amphitrie. Ok, très bien. Préparez-vous, on va les aborder. Il y a l'autre qui va nous rattraper par contre. Quoi, interagir? Ah oui, d'accord. Merde, j'ai un peu tiré trop loin. Non, ça va. Oh, il lui a mis une flèche, il l'a tué quoi. Bien joué. Elle lui gueule dessus quand il est par terre. Yes. Ouh, pas mal la récompense. Ouh, Triskel. Ouh, pas mal. Il y a l'autre toujours ? Ouais, l'autre qui est en face. Alors attends. Attends. Ça a l'air sympa ça, Triskel. Symbole de protection aux yeux de beaucoup, le Triskel annonçait aussi à l'ennemi que ceux qui l'arboraient, étaient rapides comme le vent. Tu vois un peu ? Ouais, c'est joli. C'est quoi le Triskel ? C'est un œil avec... trois jambes?
Et on est d'accord que l'autre, elle est... Ah, l'autre, elle est là. Préparez vos avirons! Rejoignons le lac! Vite! J'ai pas vu les dégâts. Non, on a rien fait. Quoi. Très bien. Là c'est bien, on était, ils étaient dans le creux. Ils étaient dans le creux d'une vague. Peur de quoi, gros? Merde! Okay. Ça a pas déclenché l'abordage, en fait, ça m'a enlevé du... Ouais, y en a un autre qui m'a vu. Merde, je crois que je tire dans l'eau, là. Ah non. Hé hey, les mecs! Nickel. Trop le barde. Bonne d'arras. Exciter le chasseur de primes. J'avoue. J'avoue. Vous voyez, c'est bien de les aventures. Ah oui, par contre, il y avait un truc. Oh putain, me dis pas que c'est un temple complètement englouti. Oh là là, si. L'âme lourde. Les gars de chasseurs assassins, drainés par crit. Non, c'est pas... pas intéressant. Chasseurs, dégâts crit en pleine santé, probabilité de crit en pleine santé. C'est pas mal ça. ...5% à tous les dégâts. Assassin, guerrier, armure, chasseur... Ouais. Ça c'est bien parce qu'on a crit en pleine santé, on a 10% en fait. Parce que là on va perdre 8% si on met ça. Ça fait quand même chier. Là on gagne 2%.
Et de l'armure, évidemment. Et chasseur. L'équipement d'arrêt, c'est pas mal. Hein. Pas fan des temples engloutis. Je sens que celui-là il va être horrible. Je sens que celui-là ça va être de la merde. Ça a l'air bien profond. Ouais, 4. Ça fait chier si on n'y va pas. Il y en a 5. Personne va me juger si on n'y va pas, ok? Ça va, je suis pas très fan. Sortez les avirons! On attend ton retour, capitaine! Vague de fou. Les mecs voulaient pas descendre avec moi sans déconner. Ou alors à ma place, c'est moi le capitaine, moi qui devrais rester avec le bateau. C'est vraiment moi qui devrais rester avec le bateau. On va faire la technique Subnautica, c'est-à-dire que on va baisser le son. Et on va faire ligne droite. Il y a combien de coffres? 3 coffres. Oui, oui, oui. Quelle merde. Ah, j'ai pas envie, hein. Ah, j'ai pas envie. Indice adepte à proximité. Okay.
Devoir remonter, putain. Devoir remonter et replonger. Ah, j'aime pas ça. Pourquoi il y a autant de ruines sous l'eau, quoi? Allez, dis-moi que c'est fini. Merci. Pourquoi il y a autant de ruines sous l'eau? Pourquoi il y a autant de ruines sous l'eau? Putain de merde. Hein? Il est où le bateau? Hein, sans déconner. Vas-y, regarde-moi ces vagues énormissimes, quoi. C'est... Oh là là. Vague. Oh putain, c'est fini. Oh putain, j'aime pas ça. Thème Épigone. Les disciples étaient prêts à donner leur vie pour une cause, mais s'entraîner afin de la vendre chèrement. Ah, mais ok, mais s'entraîner afin de la vendre chèrement. On peut prendre ça. Ah, on a eux. Attends, on a les Épigones et on a le culte de Cosmos. Certains membres du culte cherchaient déjà à suivre, alors c'est tout naturellement qu'ils prirent la mer. Ça, c'est les hommes et ça, c'est les femmes, je crois. Ah ah! Prêt à être dévoilé, le requin de Mytilène navigue du côté des sporades méridionales. Le monde grec s'incline devant nous. Nous sommes les nouveaux dieux. D'accord. Donc c'est lui qui a les équipements de pirate. Ça marche. Je sais pas si on a eu d'équipement intéressant, je crois pas. Ah si. Peau de l'Olympe. On a vu ça quand? Maintenant? 20% d'aligne par crit. Dégâts, ça, 100% de dégâts, mais santé limitée à 25%. C'est ouf ça. Tu vois? Ouais, on perd beaucoup. C'est pas mal là, là on est des gens un peu spéciaux. Okay. Alors on est reparti. On va peut-être utiliser. Ah oui, nous on voulait aller à PFK, c'est ça? Ouais, il y a plein de petites îles encore à faire. Ouais, non, mais c'est bon, on a eu un peu pour notre dose. On dirait des canons. Ah mais non, mais c'est pour mettre les rames en fait. On sort les rames par là. La lance, c'est pas mal là. Enfin, c'est pas la lance qui est bien, c'est la gravure. Est-ce que ça vaut le coup de mettre cette gravure? 25% de vie, c'est chaud quand même. Hein. Je crois que 25% de vie, on est peut-être du one shot tout le temps. Je sais pas, on peut tester. Il y a plein de bateaux ennemis.
J'imagine qu'ils sont pas amis ceux-là. C'est Zeus sur la voile, avec un éclair et tout. Attends, par contre, je voudrais regarder où est-ce qu'on pourrait voir qu'il y a un port. On n'a qu'à aller vers là-bas. Étrangement agité, Hérodote. On n'en arrive pas, on les entend pas. Il disait au nord-est, je crois, genre à une crique. Ça peut être ça. J'en sais rien. On a repéré des débris à la surface. Alors on peut mettre le bateau là. Hein. Ça va, ils sont sympas. Notre équipage là. Ça fait femme guerrière. Tout est détruit ici. Foyer des héros. Bon bah on y est arrivé. Bon bah il y a des gens déjà. Ce doit être l'homme mentionné dans le message parlant de combat en arène, Maillon. Waouh, t'es sérieux? On est tombé pile dessus. Bah on est allé dans la crique quoi, mais je pensais vraiment pas tomber aussi facilement sur le mec. Enfin, directement surtout. Statue. Seuls les meilleurs guerriers reposent ici. Les héros. Ils ne sont pas nombreux. Mais ce sont les héros de l'arène. Ceux qui ont mérité une mort honorable. Les autres sont enterrés dans des trous sans nom, loin d'ici. Personne ne se souvient d'eux. Quand ton tour viendra, et il viendra, penses-tu être digne du titre de héros, Mystios ? Je serais plus que digne de reposer ici, si quelqu'un se montre assez fort pour me tuer. J'ai entendu parler de toi et de tes exploits, Mystios. C'est impressionnant, si ces récits sont vrais. Ça dépend de ce que tu as entendu. Beaucoup de choses. Une guerrière parcourant la contrée, qu'on dit parfois à moitié bête ou à moitié déesse, mais toujours porteuse d'aigle. Dis-moi, les récits disent vrai ? Tout est vrai. Et il y a des choses dont tu ne sais rien. Bonne réponse. Je me moque de savoir si les récits sont vrais. Je vois ce que tu recèles. Une aptitude à la grandeur. La possibilité de l'héroïsme. Je m'appelle Maillon. Cassandra. Si tu as envie de vivre pleinement, Cassandra, de devenir une héroïne de la reine et de devenir riche au-delà de tes rêves, fou, tu dois combattre dans mon arène. Ça marche. Ça a l'air intéressant. On a fait tout le chemin pour ça, de toute façon. Prends mon bateau et longe la côte de Pefka en direction des épaves et de l'embouchure de la vallée. Là-bas, tu trouveras l'entrée de mon arène et Skoura, qui s'occupe de mes combattants. S'il voit en ta personne les mêmes choses que moi, je pense qu'il sera très enthousiaste. Vas-y,
longe la côte en direction des épaves pour combattre dans mon arène. Là-bas ? Ouais, il y a du feu, ça doit être là-bas. Ça, là. Il y a plein de trucs à faire ici, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Attends, fais voir la lance. J'ai vu qu'elle baissait pas la vie. Genre quand on se met dessus. Ça baisse pas la vie, ça augmente tous les dégâts. Mais du coup la vie elle... Fais voir là. Ah oui, elle est bloquée, ouais. Ok, 25%. Non, t'es sérieux? Ok. Tiens, on teste. Ça va. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on t'envoie chez Hadès? Et il m'a mis du poison dans le cerveau. Ah, vous me faites chier. Ça a touché l'autre aussi, c'est pas grave. Je pense que les dégâts, ça... Enfin, si je me fais one shot tout le temps, ça va être relou, quoi. Ça peut valoir le coup, hein. Je crois que ce genre de truc, ça peut être vraiment bien pour l'infiltration. On va le tuer. Ouais. Ouais, ça peut être vraiment intéressant. De dégâts, c'est ça? Après, on n'est pas obligé de mettre ça sur la lance. On pourrait le mettre dessus. J'aime, en fait, honnêtement, là c'est un truc que j'en ai pas trop discuté, mais j'aime beaucoup leur système de gravure. C'est très très intelligent en fait. Ah, autre bateau. Très très intelligent parce que. Parce que du coup, ça. Vous pouvez trouver des armes et armures légendaires. Mais qui n'ont pas vraiment des stats intéressantes. Genre par exemple notre épée elle est vraiment bien parce que c'est pour le feu, il y a accumulation de feu et dégâts de feu, donc ça c'est cool. Mais du coup elle tape pas feu et on n'a qu'une gravure légendaire par arme. Enfin par arme légendaire. Je ne peux pas aller en haute mer avec ça. Oui oui, je sais. Et du coup on peut lui rajouter ça. Parce que on a récupéré une arme légendaire qui nous donne, qui nous fait pouvoir taper feu. Donc c'est vraiment, enfin c'est bien pensé tout ça. Puis en plus on peut partir du coup en aventure dans un sens, comme ce qu'on a fait pour récupérer les armes légendaires pour les gravures elles-mêmes. En fait. Donc c'est, non c'est vraiment bien fait. Vraiment très bien fait. Alors un truc qu'on va faire, je vais garder la lance sur moi. Ah merde, je peux plus sauvegarder.
Il y a ça qui est vachement bien, c'est encore mieux, hein, 250%, mais on peut plus faire d'habilité spéciale. Ça, c'est un peu le compromis, mais 25% de santé, j'ai l'impression que ça va être chaud, quoi. Je veux bien tester, quand même. Je voudrais sauvegarder, parce que j'ai peur qu'on se fasse one shot. Je veux voir si on se fait one shot. En théorie, vu que c'est qu'un cran, honnêtement, je crois qu'on va se faire one shot. Oh, quelle entrée. J'avoue que c'est joli. Barnabas m'a parlé de la reine. Je devrais essayer. Ça doit être ce pouvoir. Ça. Je n'entends que le vent. Ah, exactement. Rien. Ouais. Il paraît qu'on pouvait entendre la foule de très loin. Sa soif n'était jamais étanchée. Sa soif? De quoi? De combat dans la reine. De combat, bah oui. De vie et de mort dans leurs formes les plus pures. D'amour. De haine, de gloire et de déchéance pour le plus grand plaisir de la foule. Je m'appelle Skoura. Cassandra, j'ai trouvé un message parlant de cet endroit et de toi. Il invitait les combattants de tout le monde grec. Ces murs ne tremblent plus parce qu'il ne reste plus de héros de l'arène. Le public ne veut plus de vrais combattants. Il ne veut que du sang. Mais toi, Mystios, tu pourrais changer ça. Tu parles trop lentement. Tu me rends fou. Et remporter des richesses qui dépassent tous tes rêves. Vas-y, let's go là. Et si tu gagnes, je peux peut-être de nouveau faire trembler les murs de l'arène. Bien. Mais l'âme et moi sommes prêtes. Choisis ton adversaire. Oh. Claudius, le roi des brigands, Bélos, la bête de Sparte, Evante, la chasseresse, Titos, le roc d'Athènes, Titos, la forcenée, le roi de l'arène. Je vais affronter ce roi des brigands. On va le one-shot? Oui, Van, one-shot. Vous voulez les meilleurs? Ouh, il y a des pics et tout. On va peut-être enlever la lance en fait. Je vais t'abattre. Vague 1. Ouais, non, mais attends. Non. Mais la lance est trop dangereuse en fait. Enfin, pour ce combat là. Je dois me soigner, c'est trop bien. Viens, rapproche-toi. Quel réflexe. Oh putain de merde. Ouais, en gros, on serait mort là, je pense. Ça tue. Ça tue, ça tue.
Ouais, non, mais pas de lance. Tu as dû leur faire belle impression. Tu n'as pas regardé? Ça fait des années que je n'ai pas vu un combat depuis l'arène. Ah bon? Mais à entendre les clameurs de la foule, j'ai peut-être une championne sous la main, après tout. Bien sûr que la foule crie. Comment pourrait-elle résister au spectacle d'une guerrière de légende? Peut-être que les histoires qu'on raconte sont vraies. On se la pète un peu, mais pourquoi pas. Maillon. Ah, ah merde. Je l'ai su dès que j'ai posé les yeux sur toi. Tu pourrais, je dis bien pourrais, devenir comme Skoura un héros de l'arène. Si tu continues à combattre, je te prédis une longue et enrichissante carrière, dont je profiterai aussi. Quand tu seras prête à continuer, va voir Skoura. Cool. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Ouais, on peut sauvegarder. Donc tu nous as donné des brassards de... d'insectes. 50% de santé rétablie avec aptitude surpuissance. Ouais, bof. Après, si t'as des dégâts surpuissants sur toutes les parties de l'armure, ça peut être intéressant. J'ai envie de dire. Mais bon, je suis sûr qu'on va perdre quand même. Choisis ton adversaire. Je vais transpercer Belos comme une bête sauvage. Je suis sûr qu'on va perdre dans les statistiques. Je sais peut-être qu'il va nous donner un set complet en fait. Là, de. Je me demande avec le coup de pied spartiate là, on peut pas balancer les mecs dans les pics. Faut leur donner du spectacle. Oh. Merde. Faut peut-être cibler en fait. Ça, c'est marrant. Oh, il m'a touché. Il me fait chier. Très bien. Ça sert pas à ça, les boucliers. Nickel. Ouh, tenue d'Amazon. Oh, c'est un mec. La bête de Sparte. C'est un mec du cosmos, apparemment. Ta lame, Mystios. La lance. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me rappelle des temps anciens. Les Perses. Cette lance en a tué quelques-uns. Mais moi aussi, sur le champ de bataille et dans l'arène. Honnêtement, je m'en fous. Je dois partir. Tu
Désolé, je dois y aller. Un vrai travail de guerrier dans l'arène. Continue. Merci. Désolé, je dois y aller. Shepard, vas-y. Yeah, du coup, membre du culte. Oui, c'était... Je crois que c'était lui, là. Oui, le bête de Sparte. Ouais. Très bien. Symbole Thor et signe de sage. Très bien. Et on a pris un niveau qui nous sert vraiment à rien, par contre. Ça, c'est au max, ça, c'est au max. Ça, c'est max, max. La pluie de flèches, ça faisait que dalle en dégâts. Ça, ça faisait que dalle aussi. Rien à faire. Ah, la tenue d'Amazon, par contre. Fais voir un peu la tenue d'Amazon. C'était quoi déjà la tenue d'Amazon? 50 dégâts infligés rétablis en tant que santé. Ah oui, ouais, c'est bon. Choisis ton adversaire. Je vais chasser Evante dans l'arène. À chaque fois, elle fait des blagues. Genre, c'est Evante la chasseresse, alors on va chasser Evante. L'autre, c'était la bête, donc elle va le transpercer comme une bête. C'est, à chaque fois, elle fait des blagues. Elle est comique, hein, Cassandra. Elle est comique. Vous voulez les meilleurs? Vous voulez les meilleurs? Putain, t'es nul quand même pour. Ah, t'es sérieux? Ah putain, les piques! Putain, j'ai l'impression d'être dans Gladiateur, quoi. Il m'a touché, ce con de loup, alors que... Enfin bref. Ah la pute. Et tu tues, marche. Putain de merde. Cool. Waouh, de la merde. Par contre, 2200 pièces. J'ai pas vraiment fait attention à l'argent des autres. Bon, elle a pas donné de légendaire, c'est. Et de la reine n'a guère de privilèges en dehors du plaisir, de la renommée et de la gloire. Dis-moi, Mistyos,
As-tu des proches, des amis, de la famille, des amants? J'ai des gens dans ma vie, des personnes qui comptent pour moi. Tu en as aussi? Ma fille compte beaucoup pour moi. Bien, je n'insiste pas. Mais viens me voir combattre. Je t'envie, Mystios. Tu as tout à gagner. Ne laisse pas passer une telle occasion. Ça marche. Un peu deg, là, le coup du... Choisis ton adversaire. Alors... Le Rock d'Athènes. Qu'est-ce qu'elle va faire comme blague? Je vais casser un caillou. Le Rock d'Athènes finira en poussière. Ah, en poussière. Pas mal, pas mal. Finira en poussière. Bien, bien vu. Je vais éclater un caillou. J'aurais pensé à des trucs comme ça. Finira en poussière. Ah, mon Dieu. Lui, il faut qu'il la ferme. C'est parti. J'allais dire, peut-être que le tir de plusieurs flèches et tout ça... Oh la vache, ça peut être pas mal là, le... Avec le feu. Mais encore une fois, avec trois... Oh, il est en train de se prendre plein de dégâts de pique. Les dégâts de... Des trois adrénalines, là. Ça fait du feu aussi, donc bon. Poum. J'ai loupé. Je vais mourir. Mais putain, mais Block, qu'est-ce que tu... Très bien. On a un archer. Oh, belle brochette. Adieu. C'était quoi déjà ton nom? Ah, le Rock d'Athènes. Ah, okay, vas-y. Ah,
pas mal. Quelqu'un vient m'aider. C'est un peu compliqué des fois de voir les mouvements avec toutes les flammes, hein, mais... Quelqu'un vient m'aider. Très bien. Alors on l'a un peu dominé, lui, par contre. C'est sûr qu'on va devoir le combattre, lui, à un moment. Ouais, c'est très bizarre ce qui se passe. Ouais. Très bizarre. M'inspire pas confiance. Mec, il va nous... nous mettre une lame dans les poumons là, comme dans Gladiator là, je crois que c'était ça. Merde, j'ai pas regardé la récompense. Ouh, indice découvert. Cool. Je crois qu'on a rien eu de bien. Combattant de l'arène. C'était ça qu'on avait eu ? Non, on avait eu les gants. Combattant de l'arène. Combattant d'arène. Je sais pas si on a d'autres parties. Je pense pas. Ah non, c'est pas celui-là qu'on veut. J'enverrai ceux qui s'opposent à nous vers les feux des enfers. Cosmos sera mon guide. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça peut être intéressant. Héros de guerre athénien comme équipement. On va sauvegarder. Il y a un mercenaire, on va faire le mercenaire. Voici ton adversaire. J'ai vu que c'était niveau 50. Arthor, le forcené. J'ai des dettes à faire payer. Je vois. Tu as quelqu'un de particulier en tête ? Ouais, c'est le mercenaire qui est que en arène apparemment. Yeah, let's go, let's go. Mais elle se déplace beaucoup plus vite, j'ai l'impression, quand on fait ça. Oh, ninja. Dans le trou, je crois, en plus. Ceinture en or.
Après, le tir qui traverse parce que je savais pas quoi prendre. Ok, nickel. Tiens, on est au échelon 2, ça y est. Probabilité accrue de 10% pour un mystiose de talent de trouver de splendides objets. Les seuls les plus forts peuvent atteindre cette position. Et monter Abraxas, le cheval immortel. Couronne de percée. Ça, c'est moi. Très bien. Toutes les résistances. Ah. C'est pas mal. Choisis ton adversaire. Vasilis a dévoré son dernier adversaire. Il a quand même 7 niveaux de plus du coup. On est quoi? On est 43? Ça va être chaud, hein. Mais je pense qu'on peut le faire. Alors déjà, il faut pas se faire tuer par la vague. Mais ça, ça va être chaud. C'est parti. Ouais, c'est parti. Les Spartiates. Il y avait un truc, c'est récupérer plus d'endurance, d'adrénaline, pardon. Par rapport à toutes les actions qu'on fait. Genre c'est 10%. Ça peut être pas mal en fait ça. Oh mon dieu les dégâts. Oh là là là. Et on se réunit. Est-ce que ça va les faire tomber? Je sais pas. Rien, la flèche qui transperce. Oh la vache, je me suis loupé. Ok,
quelle merde. De merde, je vais faire de la merde hein. Mais j'ai mis des flèches de feu, putain c'est des flèches explosives que j'ai mis. Faut que je me soigne parce que faut pas que je tire trop près aussi parce que c'est... voilà voilà bien joué. Non, c'est de la merde les flèches d'explosifs en fait. Non, d'où je me suis fait tuer, putain. Putain d'abruti quoi. Aïe aïe aïe, gros débile. Voilà, je voulais faire le con avec les flèches explosifs. Voilà, c'est ce qui me... ce que je me tape. Indice sur pauvre. Oui, le Prodrakesh, oui, je l'ai tué. Ah là choisis là. Ton adversaire. Oui, 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 oui. Vasilis a dévoré son dernier adversaire. Passez. Assez joué. Ah, ce qui est bien, c'est que... deux flèches et ils prennent feu, quoi. Donc ça, c'est bien, ça. On est mort à la vague 3 en plus. Il y en a un qui est tombé. Je suis sûr que si on fait le coup de pied spartiate... on peut tous les faire tomber, mais bon. Quand même assez dangereux de faire ça, je préfère ma façon. Ah, il a un gros bouclier, lui. Ouais,
j'ai loupé. Ouais, il a grave de la vie. Faudrait peut-être investir aussi dans un arc, gros. Un peu les dégâts si je fais ça. Ouais, bah. J'essaye de faire le plus d'adrénaline possible sur lui en fait. 4. De merde. Très bien. Non, 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 non. Très bien. C'est marrant. What the fuck? D'où tu m'as touché? La putain de hitbox de merde! Non! Mais c'est quoi cette merde? Putain de hitbox à la con quoi! Ce coup de bouclier là, lancer chargé là, c'est de la merde, c'est de la merde! La hitbox elle est trop large! Elle est grave trop large! Bon, on dirait que j'ai du lag, j'ai un ping. J'ai un gros ping en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai pris ça, ça sert à rien. Y'a rien qui pourrait nous aider. Non, y'a rien. Choisis ton adversaire. Vasilis a dévoré son... Oh là là, putain. Faut se retaper toutes les vagues, quoi. C'est parti. Mais d'où tu me touches ? Tatis Ça brûle.
Mais j'ai dû couper une bonne partie. Le truc le plus chiant. Ferme ta bouche, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ah tiens, on a des... Ça, c'est pas les mecs qu'on a tués. Oh la vache, pause, parce que l'autre il arrête pas de parler, ça me rend fou. J'ai recommencé plusieurs fois. Le problème, c'est les vagues, en fait. Il y a 5 vagues, c'est extrêmement long de les tuer. Extrêmement long. Donc, je peux le faire, mais ça me prend à chaque fois au moins 15 minutes, en fait, avant d'arriver au boss. Et le boss fait extrêmement mal. Donc, s'il y avait que le boss à tuer, honnêtement, je le ferais plusieurs fois jusqu'à ce qu'on gagne. Honnêtement, il n'est pas très dur. Mais le problème, c'est... Ouais, non, c'est les vagues. C'est les vagues. Donc, on va venir plus tard. On reviendra plus tard. Quand on sera au moins 47, un truc comme ça. Parce que là, à 44, bon, les armes, elles sont à niveau de moins. Mais là, à 44, je mets trop de temps à tuer les trucs, ça me prend la tête. Et ils font extrêmement mal. Le problème, c'est qu'ils font extrêmement mal. Après, si on met un truc comme ça, je sais même pas si ça vaut le coup. Plus de dégâts. Il faudrait pas se faire toucher. Il faudrait jamais se faire toucher. Ah, j'ai envie de tester avec ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Claudius, le roi des brigands. Il est rusé. Sa méthode, c'est la tromperie. Titos, le roc d'Athènes. Un soldat talentueux à ne pas sous-estimer. Vasilis, le roi de l'arène. Un spartiate qui aime se vanter et a des raisons de le faire. Bellos, la bête de Sparte. Il dévore ses ennemis. On l'appelle la mort. Évente, la chasseresse. Quand on la croit acculée, elle attaque par le flanc. Il y a un truc à voler. Ouais, j'ai des pièces. Je veux juste voir avec la lance là. Vasilis a dévoré son... Mais c'est débile, on va se faire one shot. Mais voilà, c'est juste que ça prend trop de temps. Donc on va arrêter l'épisode là et puis je vais... On fera ça plus tard. Mais là je vais juste tester avec avec la lance, là, voir. D'accord. Ah, je suis pas mort. Ça fait pas vraiment plus de dégâts que ça en fait. Les flèches. Ça fait pas énormément plus de dégâts que ça. Je tire. On a encore en fait une sorte de non-mort, c'est bizarre. Ouais, on reste à 1 HP genre en fait. Après j'imagine que les dots font un peu plus mal aussi. Peut-être qu'on peut pas se faire one shot en fait. Faire de 100% de vie à 0%. Pas possible, peut-être pour ça, c'est ça qui nous aide en fait, qui nous sauve. Je sais pas.
Moi. Ça en consomme des flèches, hein. Ouais, peut-être qu'avec le dot, ça fait plus de dégâts, du coup. Mais bon... Ouais, du coup, super. Après, les faire tomber, je crois que c'est impossible. Ils sont plus ou moins tous buffés. Qui est tombé, deux qui est tombé, j'ai rien dit, c'est possible alors apparemment. Mais de les pousser, je sais pas en fait. Ouais, j'ai l'impression de faire un peu plus de dégâts avec les... Entre le dot et les flèches en fait. Ouais, le 100% marche. Putain de merde. On va soigner parce que je pense que je vais me prendre une pique et je vais me faire tuer. J'ai l'impression que ça va un peu plus vite. Ok, on est déjà au boss. Ouais, bof, pas mal. Oh mon dieu, il a un... Thank you.
J'ai un peu peur parce que je suis sûr qu'il me one shot. Les flèches vont vite. Hein. Putain de merde. Oh la vache. Non. Je suis mort des piques. C'était bon. Il était à 50%. J'ai pas envie de recommencer. On va s'arrêter là de toute façon, sinon l'épisode va être 3 heures. Aïe aïe aïe. Putain, ça va me gaver parce que j'ai envie de le faire. Bon, on va s'arrêter là de toute façon. Bon, la lance est sympa, ça peut peut-être m'aider pour moi. Il nous faudrait full dégâts. Est-ce qu'on a un forgeron ici dans ce truc? Ah, il y a un forgeron. Après, on a 20% de défense et de vie là. Mais bon, si on utilise la lance, ça ne nous sert à rien. On va regarder juste le forgeron et on s'arrête là. Je vais réfléchir la prochaine fois où je. Bienvenue, Mystios! Où j'essaye vraiment de le faire, parce que franchement, moi, ce genre de truc, ça me rend fou, donc... j'ai pas envie de revenir plus tard, en fait. C'est ça, le truc, c'est que j'ai vraiment pas envie de revenir plus tard. Non, ça fait cher. Donc, ouais. Dégâts crit, dégâts poison. C'est un spartiate, c'est que des spartiates, les mecs. Donc on peut faire des trucs, on peut mettre des gravures. Après maintenant on a une gravure de fou là. La nouvelle gravure, la 20% de santé et armure. Alors ça, je sais pas si ça nous sert vraiment pour nous. Vu qu'on prend un truc et on est limité à 25% de la vie. Mais bon, et on a ça. Je vais voir, je vais réfléchir. Ah, on a l'arc. On a un nouvel arc. Merci. On a celui-là. C'est mieux. Il est plus joli aussi. Ah, et le carquois il change. Ouais, vous voyez le carquois? C'est pas le même hein, à chaque fois. Il est joli celui-là. Donc on a l'arc d'Hadès maintenant. On va rester avec l'arc d'Hadès, je crois. Il fait un peu plus de dégâts, il tire des flèches ordinaires de feu. Qu'est-ce qu'on a la différence? Dégâts de feu encore plus en fait. Ouais, plus, encore plus de dégâts de feu. Ouais. Je sais pas. Je vais peut-être tester. Je vais peut-être faire enregistrer et je vous montrerai le combat. Genre le prochain épisode, ce sera le combat. Si vous voyez le combat, ça veut dire que j'ai gagné. Sinon, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.